suis Fontaine Nicolas, je suis le chef exécutif de la maison Albar Hôtel Imperator. Cet hôtel est mythique pour l'ensemble de la région et surtout pour les Nîmois, qui a été totalement remis à neuf. Le projet sur la restauration, nous avons ouvert une brasserie d'une cinquantaine de places assises, avec la signature de M. Gagnard et moi-même. Et au mois de décembre, nous allons ouvrir un restaurant gastronomique d'une vingtaine de places assises. Bah, aujourd'hui, on a une chance d'ouvrir deux établissements dans une région viticole, donc avec un terroir qui pour moi me tient à cœur, parce que c'est en partie chez moi aussi. Hein. Donc notre première priorité, c'est de mettre les vins de la région et même du Languedoc-Roussillon et des Costières de Nîmes en avant, ce qu'on fait depuis le début. Et notre objectif, c'est de travailler des vignerons, on va dire un petit peu toutes sortes de vignerons, mais aussi des vignerons un peu atypiques ou originaux, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, la diversité des vins, elle est tellement vaste qu'il faut faire profiter et faire découvrir ça à tout le monde. Une de mes cuvées coup de cœur en Costières de Nîmes, c'est la cuvée Fagne en Clos des Boutes, en blanc, bien sûr, qui ira très bien sur le Carpaccio qu'on va faire sur les fêtes de fin d'année. La cuvée Grimaud de Creden Weiss, sur les rouges qui font des rouges assez légers. Enfin, la cuvée Grimaud, on va dire, est plus légère, plus digeste, j'aime bien utiliser ce mot, et facile à marier sur des viandes blanches ou sur des filets de rouget avec une sauce vin rouge. Et c'est vrai que c'est des vins qu'on apprécie énormément. D'avoir autant de fraîcheur et de tension sur des vins régionaux, sur des chaleurs aussi chaudes, ben c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça aussi.